Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Emperor Rise of the Middle Kingdom. Et je suis toujours vraiment content de revenir sur ce jeu. Pour baisser la vitesse, ça marche toujours pas, c'est très très chiant. Et on va... Ah bah je l'avais mis à 10, super. Donc nouvelle mission, peut-être militaire cette fois, puisqu'on a été prévenu que on risquait d'être attaqué. Donc il va falloir que je fasse gaffe à ça. On nous a demandé de faire du copper, je crois. C'est copper, c'est ça. Bon, on verra ça plus tard. Industrie, artisan. Bronze. Ah, du bronze alors. J'avoue que moi et les métaux, hein, ça fait deux. Ouais, du bronze. Ok, donc on va de toute façon installer notre ville à l'intérieur de cette enceinte. Je pense que je vais partir. Alors... ouais, je vais essayer de jouer sans ça pour une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir là. Je vais juste les mettre pour pouvoir avoir une idée de ce que je fais. Ok. Donc en fait, là, je vais mettre les maisons. Toc. Les maisons. Alors pour l'instant, on va commencer avec les maisons bas de gamme, on va dire. Même si après, le but de la mission... c'est aussi de faire du haut de gamme entre guillemets, mais ça ce sera pour plus tard en fait. Faut faire les choses dans l'ordre, on finira par ça. Donc là en fait ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je compte combien je mets de maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense que 8 ça fait beaucoup déjà. Je suis pas trop sûr en fait. Je sais pas combien. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de faire un cercle, on peut aller faire quelque chose d'un peu plus rectangulaire cette fois. Donc là, de toute façon, la route. Pourquoi j'arrive pas? C'est pas grave. Là, on va la mettre comme ça. Alors pourquoi j'arrive pas à cacher des bâtiments? Comme ça, je préfère parfois. Ok. Donc là, on va mettre ça là. Sauf que cette fois, on va essayer de faire quelque chose de plus large. Ouais, c'est surtout ici qu'il faut que je regarde. Donc on va détruire la route que eux ont placée. On est obligé de garder l'entrée, évidemment. Mais la route, par contre, on va bel et bien la détruire. On va placer le marché. Alors, 2, 3, 4, comme ça. On va faire... J'espère que ça va pas être trop grand. Mais a priori, ça devrait être bon. Je pense que je vois plus grand que la dernière fois, mais d'un autre côté, si j'ai plus d'industrie et tout ça à placer, c'est inévitable. Il faut qu'à un moment ou un autre, je m'agrandisse. J'espère que c'est pas trop grand, parce que après, ce qui peut se passer, c'est que la fille qui fait le tour du marché, là, bah, en fait, ne fasse plus le tour, qu'elle s'arrête mi-chemin. Ce serait un peu embêtant. Je pense que quand même là on a de quoi placer un nombre d'habitants conséquent et que normalement on a de quoi. Alors là par contre on va avoir un problème, c'est que je risque de pas pouvoir placer assez de jardins pour les satisfaire. On verra. Alors ce qu'il faut que je place quand même, c'est les routes ici et donc ici. Là j'ai pas trop le choix, comme ça. Ok, les roadblocks. Voilà, pour l'instant on va mettre ça comme ça. Après tout ce qui est service. Ok, là ça tombe pile poil. Ça je vais l'effacer. Tout ce qui est service, bah, malheureusement je vais les placer dès le début. Hein. On va placer ça. L'herbaliste. L'inspecteur tower. Non, c'est pas feng shui tout ça, mais bon, on verra peut-être après. Ouais, on aurait peut-être pu voir tout de suite. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, bon, c'est pas grave. Alors, l'école de musique, c'est ça, je crois. Il va nous falloir l'Ancestral Shrine. On mettra les taxes après. Mais pour l'instant, je peux pas parce que j'ai pas fait l'Administrative City et le palace d'ailleurs. Ok, donc pour l'instant on va mettre que ça. Déjà c'est une bonne chose. Alors là je crois que c'est une pente, on voit pas très bien, mais
Ouais, c'est ça. Donc ça nous dit qu'il faut aller par là, du coup. Et je cherche le métal, mais on le voit pas très bien, mais je crois qu'il est là, en fait. Le bon, ça doit être ça. On s'en fout, on n'est vraiment pas rapide, là. On s'en fout un peu de ça. Alors, je vais commencer par ça, parce qu'en fait, c'est... Ah, peut-être la nourriture, plutôt. Ouais, la nourriture. La nourriture, je vais aller me placer sans doute par ici. Est-ce qu'on peut pas mettre plutôt un portail là? J'avoue que Residential Wall, Aesthetic Road, Gardens, Monument non, Fortification, City Gate, City Wall, Tower. Ça coûte cher ça? City Gate 84. J'ai un peu peur. Bon, on a beaucoup d'or, hein, ceci dit. J'ai quand même bien envie de... Ça va être sans doute me coûter un peu cher ce que je fais là, mais... Je sais même pas si ça marche. Hein, c'est pas grave. Ça a l'air de marcher, mais comme on est à vitesse très très lente... Et pourquoi je peux pas détruire ça? C'est bon. Fortification, City Gate. Et je peux pas le mettre là, sérieux? Ah, d'accord. En fait, il faut faire la route d'abord. Ça me va. Oh, sérieux, comment on fait? J'avoue que ça m'embête un peu. Between two walls. Ouais, il est sympa, mais. Bon, on va remettre les city walls alors. Ce qu'il y a, c'est que je connais pas la largeur exacte. Oh, sérieux. Là, je pense que c'est pas mal en fait. Non, non plus. Peut-être qu'il faut vraiment aller se coller. Non, ça marche pas. Du coup, c'est merdique ça parce que ça marche pas. Putain. Between two walls. Bon, là, c'est problématique. Mais bon, on va laisser comme ça. J'aimerais bien que le jeu soit en. Ouais, je peux pas le mettre en pause. Bon, on va faire les fermes ici. On a une grande étendue de d'herbe. Et pour ce qui est des fermes, on a 3 ressources de nourriture. Ok, donc on va en faire 3. L'avantage, c'est que du coup, on n'a pas besoin de faire du tout de... Pourquoi il veut pas? Putain, parfois c'est très pénible, j'avoue, le temps qu'il se mette à jour. Ok. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de trucs d'architecte là. De... Il n'y a pas de risque d'éboulement, donc ça, c'est cool. 1, 2, 3. Comme ça. On va faire les 3 ressources, hein, comme ça. Ah, ça c'est chiant. Bon, parfois ça met du temps à être mis à jour. Là, si c'est bon, ça tombe parfaitement comme il faut. Et la dernière, par contre, elle risque d'être un peu serrée là. Peut-être comme ça devrait être bon. Et puis... On verra, mettre d'autres. Peut-être que ça va pas suffire un check, je verrai. On pourra toujours en rajouter ailleurs. Ah oh, putain. C'est limite pénible parfois, mais bon. C'est parce qu'on est en vitesse très réduite et du coup ça se met pas à jour aussi vite qu'on souhaiterait. Alors là j'ai quand même fait une petite boulette, faut bien l'avouer. J'ai pas fait les routes. Est-ce qu'il faut faire des routes d'ailleurs? Si, je pense que oui. Ouais, je pense que je réfléchis à la question, mais si j'ai s'il n'y a pas de route, ils vont pas pouvoir venir chercher le bidule. D'où les problèmes. Par contre, je devrais pas la mettre là, la route. Oh, ça... Bon, c'est pas grave, on va perdre un carré. Je crois pas que ce soit dramatique non plus. Ok. Donc là, ça va être bon. Ça va falloir qu'on se fasse une petite route ici. Par contre. Ce qui va absolument demander un. Je cherche où c'est. Oh,
sérieux. C'est là. On va mettre le 1000 ici. Du coup, on va être obligé de mettre un... Ah, le 1000 ici, je sais pas en fait. Je sais pas où je fais mon quartier. Bon, on verra. Je le mettrais bien à l'extérieur en fait. J'espère que c'est pas trop loin pour eux, mais... Ouais, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que vraiment à l'intérieur, on va mettre que les quartiers résidentiels. Et à l'extérieur, tout ce qui est industriel plutôt. Tout d'un coup, je me demande si c'est pas un peu trop loin, mais c'est pas grave. On avisera. À la rigueur, ouais, c'est bon, on avisera. Tax office, non. Je cherche... Qu'est-ce que je cherche? C'est ça. Spectre Watchtower. On va mettre un roadblock ici. Et puis, il pourra aller jusque-là. Puis, on pourra mettre d'autres choses ici. On verra. Ok, je suis vraiment fâché pour ce qui est du gate, là. Je vois pas comment ça peut fonctionner autrement. Ensuite, on va se lancer dans... on va aussi faire de la pêche, d'ailleurs. Sans doute pas des masses. Parce qu'on a pas mal de fermes. Peut-être que c'est tout pour l'instant. Ce qui est important, c'est que ça va déjà nous donner... La pêche va nous donner de la nourriture plus rapidement que la ferme, les fermes. Donc ça, c'est important. Ok, ça, on va mettre ça là. Il va nous falloir un bateau pour traverser... Ferry. Comment ça marche? Ceci dit, je veux plutôt qu'il soit là. Mais là, c'est rouge partout, c'est bizarre. Et pourtant, c'est de l'autre côté, donc il faut vraiment que j'arrive à le mettre. Palace, Tax Office, Administrative City. Là, j'ai vraiment un souci en fait. Ah! C'est le seul endroit où ils veulent bien le mettre. Je pense qu'il va le mettre là, là. Je voudrais qu'il le mette là, honnêtement. Ah, c'est le problème quand on joue aussi lent. C'est très, très pénible parfois. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien vraiment qu'il accepte de le mettre là, mais je sais pas pourquoi il veut pas. Là, il acceptait. Peut-être qu'il y a une... Réfléchissons, ou alors plus loin. Putain, il n'y a pas 36 endroits où le mettre. Hein. Bon, bah on va le mettre là. C'est pas faute d'avoir essayé de le mettre ailleurs, mais. A priori, quand même, il veut pas. Par contre. On va recommencer. Je sais pas si à chaque fois il nous rembourse. Ok, on va le mettre là. C'est parfait, on va faire la route qui va bien. Ok, et on va, je fais ça tout de suite parce qu'on va avoir besoin très rapidement d'armes. Putain, ça prend une place de folie ça en fait. Raw materials, logging shed, clay pit, workshop, bronzeware maker. Ça prend beaucoup trop de place en fait, c'est très pénible. On verra. Je pense qu'ici, on va mettre un roadblock ici, un roadblock ici. Il nous faut ça là. Je sais pas s'il nous en faut un là. On va attendre avant de le mettre. On va prendre un warehouse. Parce que ici on va mettre d'autres choses, hein. On va mettre aussi les clay pits si c'est possible. Ouais. Par contre là je l'ai pas mis au bon endroit parce qu'il risque d'aller sur l'autre. Ah non 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 c'était ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le remettre. L'argent diminue pas si vite que ça, je me demande si j'ai pris la difficulté élevée parce que je trouve que j'ai beaucoup d'argent quand même. Bon on va le mettre là parce que j'ai pas envie d'attendre.
Et on va faire 2 jet carver clean kiln. Du coup, on va en faire 2. Et là, je vais faire un bronzeware maker. Ok, donc là, on fait les bronzes, le jade. On va aussi faire la pêche. Ça, c'est cool. C'est très très loin malheureusement là. Je pense que une petite route ici pour l'instant ce serait pas du luxe. Ok, alors ce qui veut dire qu'il faut aussi que je mette un bloc ici. Pour ce qui est de l'industrie, on va mettre l'agriculture en haut et la safety en high. Voilà. Pour vraiment éviter que les choses s'effondrent, on va dire. Pour ce qui est des commerces, on va mettre un food. Bah, en fait, j'ai pas trop le choix. Par contre, là, j'en ai 5. Hemp, pour l'instant, on n'en aura pas. Céramique, ok. C'est tout. Bon, on a la nourriture, on a le basique. Ah, ce qui va nous manquer quand même. Je suis un peu vert là, j'arrive pas à faire ça. Je réfléchis en même temps, hein, mais on verra. Je pense que je vais refaire une route. Est-ce que je peux faire une route qui passe là, là? Ah putain. Ou alors on peut. Je pense qu'on va juste faire ça en fait. Et là, on va détruire ça. Ouais, mais non, je peux pas le détruire. Bon, bah, faudra que je trouve un moyen parce que là, il y a vraiment un problème. On verra. Ok, donc là, pour l'instant, évidemment, personne ne travaille nulle part, malheureusement. Ça va s'installer. Il faut du temps. Alors, si on veut faire du militaire, il me faut absolument le weaponsmith. Peut-être pas tout de suite, quand même, mais par contre, il me faut l'Administrative City et le palace qu'on va mettre ici, je pense, à l'extérieur. On va les mettre à l'extérieur parce que j'aurai pas les places à l'intérieur, j'aurai pas la place honnêtement. Ça, c'est bon. Il va lui falloir une tour pour éviter que tout ça s'effondre. Ok. Ouais, d'ailleurs c'est pas trop, c'est pas génial comme ça, mais j'aime pas faire ça comme ça. On va réduire comme ça. Là il y a un carrefour, donc c'est jamais très bon, mais je pense que ça gérera comme ça quand même. Donc là c'est bien, les gens arrivent, on va accélérer le temps à partir de maintenant. Et en termes d'industrie, il nous faut 300 personnes. On va mettre le salaire en haut. Je vais détruire celui-là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, là, par contre, il y a un problème. On va les faire s'arrêter là. La pêche, c'est parti. Ça, c'est cool. Bon, bah, c'est bon. On peut. Je crois que j'ai fait tout ce que vraiment il y a. Tout ce qui demandait un traitement rapide. On a 100 personnes dans la ville. Ah, c'est cool, ça va arriver. Ça va arriver rapidement maintenant. Il faut parce que c'est la nourriture qui va poser le premier problème. Après, faut qu'on fasse l'armée. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Ok, donc là, c'est la nourriture qui va leur manquer. Bon, heureusement que j'ai des pêcheurs. Et la sécurité, c'est l'essentiel. Donc là, ça va fonctionner. Et maintenant, on va commencer sur ce qu'est la nourriture. Là, ils ont l'eau déjà. Donc s'ils ont l'eau, ils vont pouvoir accéder au niveau supérieur. Et merde. Ouais, donc là, ça se confirme. Malheureusement, il me faut de la sécurité.
Ça c'est chiant, ça va me demander. Bah ils ont tout détruit là. Je sais pas, c'est moi qui ai détruit ça, mais c'est bizarre. Bon, on va être obligé de faire ça du coup. Et là pourtant il y a été je crois là. Et on va le mettre comme ça. Comme ça plutôt. Ok, là je vais reconstruire ça. Ça m'embête honnêtement, hein. Je sais pas comment. Il est où mon bronzeware? On va le mettre là. C'est bon, eux ils ont commencé à taper. Eux tout fonctionne. Oh bah là on est vraiment bien en fait. Ça fonctionne pour de bon. Voilà, donc la bouffe c'est parti. L'industrie ça va augmenter. Ok, alors ce qu'on pourrait aller voir, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des gens qui nous aiment? Ouais. Needs bronzeware. Ah, ça, ça m'intéresse. Request? Non. Alors, on peut déjà faire du commerce avec eux. Ah, ils produisent de l'emp, donc on va leur vendre du bronzeware. Ok, c'est beau, hein, c'est ça. Alors, on va faire un autre quartier ici, alors, pour le coup. On va mettre un roadblock ici. Ici pour l'instant et ici. On va mettre encore une nouvelle tour. C'est le problème. Hein. Il faut des tours partout. Et on va commencer le commerce. Blablabla. Bla bla, trading. Ok, 500 habitants, ça va vite. Hein. Avec la cité de Beau. Ok. Et eux, on va leur acheter du hemp par 4, pas trop non plus. On va leur acheter du bois pour les taxes. Et on va exporter selling, buying, ok. Et bah là c'est parfait en fait. D'ailleurs ça va commencer tout de suite. S'il y a du monde pour faire le commerce, je suis pas sûr. S'il y a déjà du monde, a priori on voit quelqu'un. Si si, c'est parti. Alors, du coup, je vais pouvoir mettre les taxes en route. Où sont-elles? Ça, je sais jamais. Hein. Après, il y a tellement de bâtiments que... Tax office, ok, c'est parti. Accessoirement, il devrait avoir un peu de nourriture aussi. Pas forcément des masses, mais... Pour l'instant, non. Peut-être que ça c'est trop loin en fait. J'ai l'impression qu'elle y va pas. Parce que là on a déjà fait. Ah si, j'ai l'impression qu'elle y va là, c'est bon. Allez, c'est parfait. Donc on a déjà deux sources de nourriture, donc on va passer sur du plain déjà. Après on verra à passer. Non, je pense qu'on en a trois directs. Hein. Alors on peut passer sur du minimum. Le minimum, ça veut pas dire qu'ils vont se contenter de ça. Moi, je pense qu'ils vont finir par servir du... Ouais, appetizing food. On a tout ce qu'il faut, là. Ok. Donc après, ce qui va nous manquer, quand même, c'est les céramiques. Est-ce que ça bosse, là? Ouais, j'ai l'impression que ça bosse. Donc ça va venir. Pourquoi pas, j'en sais rien. Ça nous coûte peut-être de l'argent. C'est pas grave. On va faire un festival. Donc les taxes, c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir, je pense, se lancer dans l'armée. Alors l'armée, on va se faire ça ici. On va faire un premier fort ici. On va faire un... Alors le weaponsmith va être assez loin, je sais, mais c'est pas grave. Ils vont transporter. Hein. Par contre, ce qu'on pourrait faire... Alors, est-ce qu'il faut que je fasse absolument... c'est ça, avant que ça tourne à la catastrophe. Pourquoi j'arrive pas? Voilà, ça c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est quand même... Malheureusement, il va falloir du personnel, mais c'est pas grave. Ok, on va partir comme ça. Donc là, ils devraient commencer à avoir de tout. Hein. Ouais, ils n'ont pas trop de nourriture encore. On va peut-être être léger sur la nourriture, je sais pas. Par contre, on va être trop fort sur le bois.
à prendre deux à chaque fois. Non, la nourriture, on est pas mal, tellement bien que... Là, il est déjà plein le truc. Alors, je pense qu'on est pas mal. Ce qui manquerait, c'est ouais, des jardins. Ça, c'est clair. Donc déjà, on va faire ça. Voilà, tout de suite, ça améliore. Et là, on va avoir un gros boom question population. Ok. Parce que je pense qu'on est quand même très très loin de ce qu'il nous faut. 113, pas si loin que ça en fait. On est déjà plutôt pas mal. Et là potentiellement on a beaucoup de personnes qui arrivent. Donc on va être bien, question industrie, on va pouvoir encore s'étendre. En commençant par plus de smelters, très clairement. Si on veut pouvoir faire des armes... Ah putain, là c'est compliqué je trouve. On voit pas bien ce qui se passe. Si on veut pouvoir faire des armes, il faut vraiment produire beaucoup. Et quelque chose me dit qu'il va nous falloir beaucoup d'armes. Là je me dis qu'ils achètent trop là, sérieux. Surtout le bois. Ok, en tout cas on fait déjà les armes. Ouais, tout a l'air de plutôt bien fonctionner. Ici du coup ça recrute. Ou... Mais bon pour l'instant il n'y a pas d'armes mais ça viendra. Alors ce que j'aimerais c'est avoir plus de relations avec mes voisins parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'argent. Donc ce qu'on va faire en fait c'est des... On va envoyer des requests à tout le monde. Et puis on verra ce qu'ils en disent au fur et à mesure. On leur donnera de l'argent, on les achètera très clairement. Ok donc industrie, on n'est plus qu'à 68 donc ça devient très très bon. Qu'est-ce qui leur manque là grosso modo quand même? Ça m'étonne que... Alors les céramiques ça se passe pas bien a priori. On n'en a pas assez. Pourtant on en a là mais... Ah, je pense que je vais en faire un de plus peut-être. Est-ce que ça marche à 100%? 92 et 52. En fait il n'y a peut-être pas assez de... Je sais jamais moi ce qu'il faut le plus. Est-ce que c'est ça ou... On va en mettre un de plus. Oh puis zut, on va en mettre aussi un comme ça. Et on va en mettre un comme ça aussi. Ok. Parce que vraiment la question céramique j'ai l'impression qu'on est très limite. Ouais pourquoi ils ont pas de céramique là? Faut vraiment qu'on produise plus. Bon question nourriture on est parfait en fait je trouve. Il y a même un peu trop de stock mais... Peut-être qu'on pourrait en accepter 10 de chaque. Ok. Mais on est quasiment plein en fait, hein. C'est pour ça que je fais gaffe. Ici les bronzeware on va les vendre. Mais on est bien question argent, enfin on n'est pas... Ok donc eux ils ont refusé. Eux ils ont refusé. Ok eux ils ont accepté, Bampo. Ok donc il y en a plein qui ont accepté en fait. Par contre j'ai un autre problème, c'est les dieux là. Regardons ça. Ouais, il faudrait que je les que je leur donne des choses quand même. Ouais, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Il faut pas que j'oublie tous les mois en plus de leur donner des trucs. Ce qui me fait dire que je pourrais produire plus de bouffe en fait pour faire plus de dons. Ce serait pas du luxe en fait. Comment je vais pouvoir faire ça? Je me suis un peu bloqué là. Ce qui est bien, c'est que... A priori, les saisons sont décalées là. Je vais faire un petit truc. On va détruire ça. Tout ça pour mettre une route ici. Donc ça, on va le décaler d'un cran. Ça ici. Par contre, je sais pas du tout ce que c'était. J'aurais dû regarder avant. C'est pas grave.
Là, c'est du millet. Là, c'est le cabbage, donc c'est bien ce qui me semblait. C'est du wheat ici. Comme ça, là, je vais détruire ça. Par contre, j'ai fait une connerie. Il fallait que je remette un cran de route ici. Là, je mets ma route ici. Ah! Très joli ça. Ok. Et on va pouvoir se mettre une autre ferme. Alors, elle sera pas super efficace, peut-être pas à 100%. On va faire ça autrement. Ok. Et ce que je vais faire, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude, mais là, ce sera peut-être mieux. En fait, on va diviser. Je pense qu'on peut le faire. On va regarder. Ça fonctionne pas là, évidemment. Est-ce qu'on peut faire un peu de cabbage? Je crois que ça marche. Hein. Un peu de millet. Et un peu de wheat. Je crois que ça marche. La route, ouais, c'est là. Voilà, comme ça. Et comme on peut pas faire 6 fermes. Je préfère en faire 4 et je crois que là ils vont travailler donc selon les saisons. Ce sera une bonne occasion pour tester ça. Mais de mémoire quand même ça fonctionne. Ok, et ça mériterait presque qu'on fasse 2 moulins ou alors faut vraiment qu'on soit au taquet pour les dons là. Putain, toujours neglected, ça va être compliqué. Hein. On verra. Bon, bah ça produit bien. Hein. On est à fond sur le cuivre. Du coup, là, on a notre premier soldat. Ce que je vais faire, je vais regarder la mission déjà. Un allié et 20 modestes. Oh, d'accord. Alors, on va commencer le nouveau quartier. Il est 32. 32 minutes. Non, on va arrêter là. Là, on est parfait. Hein. Ce qu'on peut faire, il y a trop de chômeurs. On va baisser les salaires, ce qui techniquement va baisser le nombre de gens qui veulent travailler. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'obtienne à la fois de la soie, du jade pour le nouveau quartier que je vais construire là. On va faire un petit quartier, je pense pas. Ok, on s'en fout. Ah, d'abord, autre chose, pardon, 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 j'ai oublié ce détail. On va ouvrir le commerce avec tout le monde. Ok. Donc, ils exportent, on va exporter, pourquoi pas, du poisson, du wheat aussi, par contre, on va pas en mettre autant. On va exporter 2 et, on va dire, 4. Et ça, on n'en a pas besoin, d'accord. Okay. Ensuite, on va faire la même chose, mais ça passe par la mer. Donc c'est le même principe, hein, sauf que je peux pas le mettre au même endroit. On va le mettre là. Ouais, ça demande un peu plus de place que je ne m'imaginais en fait. Ah, ça va être merdique. On devrait pouvoir le mettre là, mais une fois que la route aura disparu, peut-être. J'étais sûr de l'avoir enlevé honnêtement, mais... Ah non, j'avais enlevé le roadblock en fait. Okay. Bon, on va le mettre là. Et du coup, export cabbage. Ouais, on va exporter un peu de cabbage. 4 par exemple. Et c'est tout pour l'instant. Faut qu'on se trouve un allié aussi. Je vais, je pense, arrêter la vidéo ici. Prochain épisode, on se lancera dans la deuxième partie de la mission. C'est les beaux quartiers, entre guillemets. On en a fait une fois hein, avec ces elite housing. On va faire ça ici. Il m'en faut pas des masses, je pense. On va en faire 4. Et par contre, ça demande énormément de jardin et tout ça, évidemment. Donc, faut qu'on fasse attention. Bon, on fera ça au prochain épisode. Là, il n'y a pas de route, c'est pour ça qu'à mon avis, il n'a pas voulu. Build this home in a highly. There is. Ah, peut-être qu'il va pas vouloir.
Qu'est-ce qu'il me veut là? D'accord. Donc là, il veut nulle part. Bon, on verra. Hein. Je vais regarder ça. Pour l'instant, en tout cas, la première partie s'est bien passée. Tout ce qui me dérange peut-être un peu, c'est le côté militaire. Là, je vais faire une deuxième armée assez rapidement. Parce que je sais pas du tout ce qu'on me réserve. Donc, méfiance de ce point de vue-là. Je préfère être prêt pour avoir moins de surprises. On verra ça. Allez, je vous laisse. J'espère que vous aimez toujours ce let's play. En tout cas, moi, j'aime toujours autant. Et j'aimerais vraiment faire pas mal d'épisodes. Hein. On n'en est qu'au tout début du jeu, même si on a déjà fait 6 ou 7 épisodes. On en est vraiment au tout début du jeu. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de faire plus d'épisodes sur ce jeu.